Oui, presque tout, mais on n'est pas récompensé. Je crois que c'est une défaite vraiment cruelle pour nous. Voilà, j'ai vu que c'est créé des situations. On a emballé le match, on a joué. C'était pas évident parce que quand on est dans des moments comme ça, souvent les joueurs n'osent pas se lâcher. Je crois que aujourd'hui j'ai vu un groupe qui lâchait rien, qui jouait de l'avant, qui essayait de se créer des situations. Après, bien sûr qu'il nous a manqué un peu de justesse dans les 30 derniers mètres, sur les dernières passes, sur les centres, sur les situations où voilà, on doit marquer. Sur des matchs comme ça, on doit marquer. On a des situations de 3 contre 2, deux ou trois fois. On ne met pas le ballon au bon moment, on frappe à côté, on frappe au-dessus. C'est explicable aussi par quand on est dans ce moment-là, le manque un peu de confiance. Mais voilà, on a vu des joueurs qui se sont lâchés. C'est ce qui m'a intéressé. Ils ont vraiment appliqué à la lettre ce qu'on voulait faire par rapport au changement de système, par rapport au positionnement. Je crois qu'on a mis en danger, beaucoup mis en difficulté cette équipe de Nantes. Malheureusement, je crois que c'est la seule action qu'ils ont de la deuxième mi-temps pratiquement. On se fait punir, c'est souvent dans des situations comme ça, ouais. On peut parler d'une défaite encourageante ? Non, on ne parle jamais d'une défaite encourageante, on a besoin de points, mais ce qui me réconforte, c'est la réaction des garçons. Je crois qu'on a beaucoup été attaqués cette semaine, un peu partout. Ils ont montré que la réalité, c'est sur le terrain. Voilà, donc malheureusement pour eux, parce que je suis vraiment peiné pour eux, ce soir, ils ne sont pas récompensés. Quand on est battu par plus fort, ben on s'incline, on repart. Aujourd'hui, je ne pense pas que sur le match, Nantes était plus fort que nous. Et je pense au contraire qu'on s'est créé beaucoup plus de situations que ce qu'ils se sont créés eux. Et la défaite me semble cruelle. Donc c'est normal que les joueurs soient battus. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ne sont pas récompensés. Et voilà, c'est comme ça. C'est ce que j'aurais dit à la fin, qu'il fallait garder toujours ce dynamisme, cette tête haute, et qu'il restait beaucoup de matchs encore. On va être à la lutte avec d'autres équipes qui aussi ne gagnent pas. Donc, mais nous, c'est dur parce que voilà, il y avait des matchs où c'est que, comme mercredi à 3, bon, il n'y a pas grand-chose sur ce qu'on fait. Donc on repart. Là, aujourd'hui, je pense qu'on méritait au moins de ne pas perdre. Mais c'est comme ça, c'est le football.